D'où vient-elle cette conspiration d'invisibilité? Disait Alejandra Pizarnik. ¿Cómo habitar un espacio, institución que se pregunta por la descolonización? ¿Cómo habiter un espacio, una institución que s'interroge elle-même sur sa décolonisation? ¿Cómo habiter un espacio, una institución que s'interroge sur sa décolonisation? ¿Cómo hacerlo en la institución? ¿Cómo le faire dans l'institution? Por un artista. Par une artiste immigrée, originaire de Caramayri, du sud de la Caraïbe continentale. En tiempos de desalojo, en temps d'éviction, el tema de territorio tomado, colonizado, cobra aún más una dimensión personal. Mientras que se toma conciencia que obramos en territorio no cedido, alors que nous prenons conscience que nous sommes sur un territoire non cédé. Alors que nous prenons conscience que nous sommes sur un territoire non cédé. Colonisation, gentrification, extractivisme, néo-extractivisme, les rapports sont inégaux. Les rapports sont inégalitaires. Ce sont des rapports de force. Première observation. L'emballage et l'opacité comme moyen de protection. L'absence d'identité afin de protection. Opacité ou absence? Ils sont partis. Comunidades enteras escapan para salvar sus vidas. C'est une histoire contemporaine. La fuga, como fue el caso de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. La fuite comme seul moyen de survie et de préserver sa dignité. 2. Les liens invisibles. Sentir los lazos invisibles qui sont déjà là. Sentir les liens invisibles qui sont là. Decidir nombrarlos. Prendre la décision de les nommer, les liens invisibles. Les objets ne bougent pas par eux-mêmes, mais la tension des liens invisibles est présente, au moins de ma perspective. Dans ces désirs, le faux désir ou désir hésitant contemporain occidental d'essayer la décolonisation, j'ai raison un besoin issu d'une souffrance, un manque, un vide, un déséquilibre, une décadence, un épuisement qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne soit pas prêt à les nommer. Non pas par tabou, mais peut-être parce qu'on manque des mots, comme si on sait qu'elle est là, mais qu'on ne comprend pas sa nature. Il faudrait que quelqu'un d'autre les fasse, quelqu'un d'autre les nomme, peut-être dans une autre langue, dans une langue autre que les langues colonisatrices. Ce serait quelqu'un d'autre que moi. Alors les liens sont déjà là, mais il faut les nommer. Nommer l'absence. Est-ce que cette douleur est due aux absences ou aux absents? Les corps disparus, les histoires omises, les traditions effacées, les artistes, les femmes artistes oubliées. Aujourd'hui, je remémore la première performance que j'ai vue dans ma vie. Ella, Maria Teresa. Elle range, organise, réorganise une série d'objets personnels dans l'espace et dans le temps. Una cosa es una cosa. Une chose est une chose. 1990, Maria Teresa Incapié. 1956-2008. Una silenciosa red de relaciones, dice José Roca, sobre una cosa es una cosa, un réseau silencieux de relación. Basta recordar la extrañeza que se siente al pasarse a vivir a un sitio nuevo, en donde la mínima cosa que habitualmente damos por descontadas toman una dimensión por su simple ausencia. J'imaginais aussi que cette expérience pourrait prendre la forme d'une cérémonie, un rite de libération. Alors je convoque un sortilège, Sable International, une performance de Rosamund S. King. Elle était venue à Encuentro en 2014.
Le point de rencontre était Place Diouville. Je l'ai suivi. À mes yeux, elle jetait des sorts anticoloniaux et s'est arrêtée ici sur la rue Saint-Jean. Elle a levé ses bras, fermes devant elle, et avec un geste déterminé, elle a jeté du sable sur l'édifice. À propos de cette action, elle dit « Je voulais présenter une performance qui commentait les luttes de l'immigration en général, et en particulier celle des immigrants des Caraïbes et de l'Afrique, aux États-Unis et au Canada. Je m'habillerai de nouveau en blanc, cette fois en uniforme d'infirmière, symbolisant les milliers d'immigrants qui travaillent dans les secteurs de la santé. » Elle ajoute « Pour Sable International, je me suis engagée à utiliser le mouvement Nago et à me concentrer sur l'idée de lutter contre la pauvreté, le racisme, la xénophobie et la dépression qui touchent tant d'immigrants. » Entonces pienso en este lugar como ex voto, un espacio profano, pero ¿para quién? Un lugar invisible, pero ¿para quién? La visita al archivo, la visita como territorio para un encuentro entre tiempos distintos. Regreso entonces a la opacidad, lo que no se alcanza, se reserva, se cuida. Opacité de ce que je n'arrive pas. Être en réserve, être protégé. No ver el colonialismo, no sentirlo, ne pas voir le colonialisme, ne pas le sentir. Do not see colonialism, do not feel it. Est-ce que no me oyen o es que no me ven? Est-ce qu'ils ne m'entendent pas ou est-ce qu'ils ne me voient pas? Decía Luis Mármol, el griego con el don de la ubicuidad. Dicen que vendía sus griegas en todos los barrios de Cartagena. Griegas, galletas de oblea dobladas en tres, rellenas con dos o tres cuadritos de bocadillo de guayaba. ¿Dónde y cómo me toca la colonialidad? ¿Où et comment me touche la colonialité? Nous demande Walter Mingolo. La colonialité du pouvoir désigne un régime de pouvoir qui émerge à l'époque moderne avec la colonisation et l'avènement du capitalisme, mais qui ne s'achève pas avec le processus de décolonisation dans les années 50-60, mais continue d'organiser les rapports sociaux de pouvoir actuels dans le système monde. Voir à ce sujet l'article traduit en français « Quijano, Aníbal, race et colonialité du pouvoir », Mouvement 2007, 3, numéro 51, page 111, 118, si cela vous intéresse. ¿Qué guarda el sótano de la memoria? Tiempo. La obra es ahora. 3. ¿Cuál sería entonces el rol del cuerpo en la descolonización de una institución? ¿Quel sería alors le rôle du corps humain dans la décolonisation d'un lieu, d'une institution? Il est comment un corps humain anticolonial, contracolonial? Il est comment un corps décolonisé? El cuerpo es multidimensional, dice Zayac Valencia. El cuerpo es multidimensional y además es histórico. Deberíamos hacer una genealogía política del cuerpo en el contexto de la decolonización. Lo que quiero decir es que los cuerpos pueden mucho si están unidos. Una de las estrategias micropolíticas es que recuperemos el cuerpo, que dejemos de estar todo el día enganchadas a las redes sociales y su virtualidad y que pongamos el cuerpo en el centro, porque éste, a través de sus potencialidades y singularidades, incluso por su misma vulnerabilidad, es el lugar de alianzas posibles. Todo el mundo tiene un cuerpo territorio conectado a su vez con otros cuerpos territorios. Es necesario que nuestras transformaciones sociales también consideren el trazado y reconocimiento de múltiples coreografías. La tarea fundamental de nuestros cuerpos es decolonizarse, dice Zayac Valencia. Parallèlement à cette action, autres artistes s'engagent dans ces processus de connaissance de leur corps territoire. À Montréal, c'est Touché,
Une exposition autogérée d'Arcadie Lavoie-Lachapelle et de La Violette. Elle explore le potentiel sensuel, l'autoérotisme. Elle observe en même temps les conséquences de la masturbation alchimique et de la déconstruction des références culturelles à travers des pratiques de collaboration et de solidarité. Il est en cours une autre exposition, cette fois en ligne, de l'impronta à l'implosion, qui présente les œuvres des trois jeunes artistes de la Caraïbe colombienne, Mayra Bertel, Joana Cervantes, Elsie Arango. Elles nomment leur corps, elles nomment leur cloître pour s'en sortir. Les cloîtres des traditions, des structures familiales, du pouvoir étatique, des religions judéo-chrétiennes. Photo, performance, peinture, le corps est au centre. Lo que se reserva en el camino de regreso es cuestión de tiempo. Francesca Gargallo dit: Le lieu de la libération féministe est donc un lieu tissé d'autres trames que celles que j'ai appris à détisser à l'école. Un lieu historique où les premiers risques pour les féministes, comme pour toutes les femmes et tous les hommes des différents mouvements autochtones, est de disparaître. Disparition forcée des personnes et des peuples. Un lieu où l'oppression sexuelle et la domination coloniale sont les deux faces d'une même répression tissée de plusieurs fils. L'expropriation de son propre territoire corporel, l'assignation d'un rôle de gardienne, de reproductrice de la culture, avec tous les fondamentalismes ethniques que cela suppose, et toute forme d'oppression capitaliste patriarcale qui continue avec la menace du pillage des mines de métaux dans les montagnes et sur nos territoires, et toutes les formes imaginables de néo-extractivisme transnational. En 2015, María Belia Marmolejo réalise Extractivisme. Artiste pionnière de la performance et des pratiques artistiques anticoloniales, elle place des sangsues vivantes sur son corps. Elle, son corps, l'action devient la métaphore d'un pillage contemporain sur les territoires du monde. Éviction. Crise de logement, rénoviction, El arte y la vida, Sophie Cal, prenez soin de vous, 2008. María Teresa Incapié, una cosa es una cosa, 1990. Frida Kahlo, je me décolonise moi-même, 2016. Mi memoria, la casa, una casa larga, ancha, hoy es el sótano de fi, mi territorio de acogida, mi país. Aujourd'hui, mon pays est en sous-sol. Immigrante, nomadismo, tiempo nómada. No tengo pertenencias, pertenencias temporales o propiedad privada. Desalojo y gentrificación, todas las cosas están solas, dice María Teresa. Del centro y la periferia está sola, el centro también. Le centre aussi. La periferia se mueve, el centro no. Voy por la periferia, voy por el ladito, por los bordes y voy con cuidado. Porque esta es una práctica suicidaria. El centro depura, radicaliza, se paraliza en una verdad desinfectada. Menos es más, less is more. Una verdad siempre estática, une vérité toujours statique, une vérité esthétique. En el centro, el cambio es traumático y espectacular. Por el ladito, no se hace tanto ruido. La situación es compleja, contaminada, impura. Le centre fait tellement de bruit qu'il n'entend pas les périphéries. Hace tanto ruido. I'm not ready to be simplified. I'm not ready to be simplified. I'm not ready to be simplified. María Teresa, la vida y el arte. Coco Fusco, el performance que habla de él sin limitarse al arte. Permeabilidad de fronteras, permeabilidad de fronteras, ellas, las fronteras. Cuerpo colonizado, cuerpo enclaustrado. En mí traigo el claustro, le cloître en moi. Au centre, le bruit des choses concrètes, radicales. El ruido concreto de las cosas radicales, la radicalidad de las cosas, la radicalidad de las cosas, la cosidad del ruido.
4. Una cosa es una cosa que se mueve. Une chose est une chose qui bouge. Después de encasillarlas, las cosas se mueven. Après les avoir classées, les choses bougent. Se salen de sus casillas. Elles sortent de ses gonds. Salirse de sus casillas. Lo mismo que sacar a uno de quicio. La expresión sacar a uno de sus casillas, hacer a alguien salirse de sus casillas, significa, según el DRAE, alterar su método de vida, hacerle perder la paciencia. Casilla es diminutivo de casa, según DRAE. Las meninas se salen de sus casillas. Las meninas se emputan. Las meninas enragées. Elles sortent de ses gonds. Las meninas emputadas es un colectivo. Es un colectivo feminista anticolonial de la Caraïbe colombiana. Depuis 2014, elles se battent contre les pratiques abusives de politique culturelle centralisées qu'appauvrissent les artistes de la région. Ces dynamiques centre-périphérie invisibilisent et nuisent le développement de grand nombre d'artistes locaux. Las meninas emputadas savent sortir de ses gonds. Sortir de ses gonds, déplacement de soi, être tellement excité par sa colère qu'on est comme hors de soi-même. S'emporter, avoir un accès d'humour, de colère ou d'impatience. Dès le XVIe siècle, on trouve l'expression « se mettre hors de gants ». Se mettre hors de ses gants, pour qualifier une personne qui s'emporte. Les gants, élément d'une charnière des portes, est un axe vertical, donc stable. À cette même époque, on disait qu'une personne équilibrée, qu'elle s'étenait sur ses gants. Il s'agirait d'ici, donc, d'un individu qui ne serait pas aussi calme qu'il exigerait les normes sociales concernant l'équilibre mental. Elles s'enragent. Los cauchos, las cosas elásticas, flexibles, se contorsionan. Prácticas contorsionistas. ¿Cuál es el lugar del cuerpo en la decolonización de una institución? ¿Qué fait un corps décolonisé dans une institution? Peut-il ce corps sortir de ses gonds? Documentación invisible. La no documentación ya es una interpretación. La documentación es acaso una traducción. Toma tiempo encontrar el lugar de las cosas. Toma tiempo poner las cosas. Ça prend du temps pour trouver la place des choses. Ça prend du temps pour se trouver une nouvelle place dans la vie. Prenez soin de vous. Cuídese. Toma tiempo poner las cosas en su lugar. Toma tiempo que las cosas se adapten al lugar asignado. Il faut du temps pour mettre les choses dans sa place. Il faut du temps pour que les choses s'adaptent au lieu assigné. Archivar, nombrar desde la carencia de recursos, nombrar desde la carencia de palabras, nombrar desde la carencia de perspectivas. Nommer à partir du manque de perspectives. Nombrar, identificar. Je vais te nommer toi, toi. Je vais te nommer autre. Dessin à main levée, archive à main levée, absence à main levée. La résistance de los objetos à las casillas, à la gravedad. La résistance des objets aux cases. La résistance à la gravité. En los márgenes, la pérdida del equilibrio. La dignidad de un color depende del color que se le pone al lado. La transparencia del revés, princesa, lune, soleil, la mort, les ombres. Sing me to sleep. La matière est des mots. La matière des mots. Everyone is special. Hilos de papel. ¿Cómo trabajar este archivo sin apropiarse del proceso de la autora y sus colaboradores? Retomo entonces la idea del paisaje. Sol, luna, estrellas, el juego, incluso el terror. Las márgenes se desbordan. Las márgenes se desbordan, el centro lo siente, las fronteras también. Entre el taller y la sala de exposición, espacio de transición, depuración, purificación, los riesgos. Sur le pont d'Avignon, dormez-vous? Le soleil se couche sur la lune est une menteuse. Et le monde, un colon vertebral. ¿Cuál miedo al vacío? Lo cubro todo. El mundo tiene todo lo que necesita.
Suena un avión cuando acomodo los vasos. Jus de pamplemousse, todo fuga, tout fuit. C'est la fuite de tout. Performance con el mantel de cuadros amarillos, las casillas del mantel. Ownership, propriété. La danse du malaise. Jouer les malades politiques, transactions, fouiller, dulles, listen de chaos, rire, vrai, résister, justice, approprié, complice, exposer, share, écouter, écouter, marchandise, partage, quotidien pop, capture, ennuyant, les absences à main levée, les archives à main levée, dessin à main levée en utilisant les côtés droits du cerveau. Les processus de réflexion latérale et les exercices du cerveau sont utilisés pour améliorer la capacité technique et créative. Appropriate, espacio. Prochaine boîte. Les liens invisibles. Les liens visibles et les liens invisibles. La disparition forcée des personnes et des peuples. Disparition forcée des mémoires. Francesca Gargallo. Manipulación de las cosas, voluntad de poner en evidencia, límite del espacio, hacer aparecer y desaparecer, dejar rastros de la aparición-desaparición, pas assez du temps pour déconstruire, décoloniser le temps. 16 mars, Jocelyne Ottawa avait peur de représailles. Elle n'a rien dit de plus. Elle n'a rien dit de plus. Prenez soin de vous. Recontextualiser, expérience de la salle éducative, incarner l'exposition, incarner l'œuvre, recontextualiser par l'incarnation de l'œuvre. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. 21 mars, la fête de ma mère. Descanse en paix, maman. Stop hate, stop hate, stop Asian hate. Hate is the virus. Fueron ocho mujeres. 8 féminicides en 8 semaines au Québec. Une femme va être tuée dans 48 heures au Québec. La Fiscalía General de la Nación entregó un informe en el que confirma que, entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021, se registraron 37 feminicidios en Colombia. D'après l'Observatoire des féminicides en Colombie, ce serait 106. Ni mi cuerpo ni mi tierra son territorio de conquista. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Alejandra Pizarnik, 1936-1972.